Nagui, c'est dur à prononcer, je sais, mais c'est nice, pas nice. How can you explain that the American critics are a little against you as soon as you issue an album? Pourquoi toujours les critiques américaines le descendent chaque fois qu'ils publient un nouvel album? It's not really the critics. The critics have always been pretty good to me. C'est pas spécialement les critiques donc américaines. Thank you. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. I think it's more the American public. Really? Yeah, because c'est plus donc le public américain. You know, I'm one of the people who are trying to preserve the music that has fire, that has roots, and mixing it all up and making it my own. Not really stealing it, but j'ai pas tout retenu, il y en a beaucoup là, hein, sur ce coup-là. Donc il essaye de faire sa propre musique, qui mélange à la limite ce qu'il aime bien lui et les racines de la musique, en l'occurrence, vous l'avez compris, la soul, le rock et essentiellement la musique hispanisante. Vanessa, quel genre de musique tu écoutais ou tu écoutes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Est-ce qu'il y a eu un disque, un interprète que tu écoutais quand tu avais 10-12 ans, où tu t'es dit... Je crois que j'ai commencé à chanter sur les disques de Prince quand j'avais 9-10 ans. Ah ouais, d'accord, carrément. Ouais. Ah ouais, t'as commencé déjà, t'as mis la barre assez haute, quoi, quand même. Bah, il y avait que sa voix, j'aimais beaucoup le funk quand j'avais... D'accord. Jamais rock, plutôt funk, toi, plutôt la musique noire américaine. J'ai commencé plutôt par ça. Puis sinon, j'avais les tisses de mes parents, genre Gainsbourg, Dutronc, tout ça, quoi. D'où les cactus, sans doute, le clin d'œil que tu as fait sur scène. Justement, à propos de reprise. It's the real stuff. Voilà, c'est un vrai... Oui. Yeah, definitely. Alors, à propos de... À propos de reprise, tu as choisi de faire sur disque Walk on the Wild Side de Lou Reed, sur scène Les Cactus. Comment on décide de faire une reprise quand on a une scène ou un album à enregistrer? Est-ce que c'est genre grosse réunion de toute l'équipe en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme reprise, ou c'est une vraie envie que tu as depuis un bon bout de temps? J'ai pas besoin de faire des reprises, c'était un plaisir personnel, j'avais envie de la chanter. Et le choix, c'est toi aussi tout simplement qui l'as décidé, ou tu t'es dit quelle chanson de Dutronc je pourrais reprendre? Non, ou... j'ai toujours eu envie de la chanter celle-là, donc... D'accord. Et si on refaisait de là maintenant une reprise, un duo Willy DeVille et Vanessa Paradis, un standard de la chanson américaine et anglaise? Would you mind? Would you mind singing with Vanessa? I never mind singing with her. Voilà, il ne voit aucun inconvénient. Ça tombe bien parce que ça m'a assez gêné les yeux. No, I will be a little bit upset. Non, mais donc tout va bien, il n'y a aucun inconvénient. So what about Stand By Me? That's what we were going to do. Okay. How did you know that? I was there this afternoon. Okay. Chanson signée par Monsieur Ben E. King, entre autres reprise par des grands de ce monde comme Elvis Presley ou John Lennon. Et là, c'est Willy DeVille et Vanessa Paradis, Stand By Me. On y va.